Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo partenariat. Et oui, j'ai été contactée par le site One Day Saving. Donc, c'est un site où ils vendent des diamond painting, il y a du loisir, il y a du crochet, il y a plein de belles choses sur ce site-là. Je vous invite à aller voir le site, je vous mets ici et je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les informations concernant le site. Donc c'est un site où il y a du loisir créatif, vous avez des diamond painting, vous avez plein de choses concernant le loisir et j'ai eu la chance de pouvoir tester 3 articles et j'ai pris des diamond painting. Donc voilà, j'ai pris essentiellement des diamond painting, mais vous avez beaucoup de choses sur le site. Alors on va un petit peu faire un tour sur le site, donc comme ça je vais vous montrer. Donc vous avez des choses pour Halloween, vous avez des stylos aussi, enfin vous avez, je pense que c'est un stylo ici qu'on a, il y a écrit taille artisan, peinture, je vais un petit peu vous montrer, on a des petits stylets comme ça, là vous mettez votre petit réservoir ici là et vos petites perles et là je pense que ça doit être le stylet, je ne sais pas du tout. On a plein de choses. Ah, il y a aussi pour faire des bagues. Vous voyez, pour faire des bagues, je ne savais pas. Vous pouvez aussi faire des bracelets, là. Il y a beaucoup de choses aussi sur le site. Vous avez aussi des boîtes pour ranger vos diamond painting. Pour ranger vos diamants. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a du washi tape. On a plein de choses. Là, ce sont des diamond painting, ici, avec des dames. On a beaucoup de choses, hein. Je vais un petit peu taper Diamond Painting pour voir ce qui va nous sortir. Alors voilà, j'ai écrit Diamond Painting, donc vous avez plusieurs mesures. Hein. Il y a 40 sur du 70, il y a du 30 sur 30, vous avez plusieurs mesures. Il y a du 40 sur 50, il y a des plus petits aussi. Donc regardez là, il y a pour ceux qui aiment bien Star Wars, là on a le petit bébé Yugu, là où je ne sais pas comment il s'appelle. Vous avez des animaux, vous avez des belles peintures comme ça, des belles dames. On a du Disney aussi, je vous montrerai après. Là, on a des gâteaux, on a on a de très belles choses, hein, franchement. Pour Noël aussi. Regardez, pour ceux qui aiment le Santoro, ici, vous avez le Santoro, là, la petite madame, la petite madame. Les sapins encore du Santoro. Et là, on va un petit peu taper du Disney pour voir ce qui nous sort. Alors, en Disney, ils nous sortent ben, les petites princesses ici, là, qui sont pas mal en diamond painting. On a... oh, il est pas mal celui-là, le petit Winnie l'ourson. Je n'avais pas vu, lui. Il est très joli. On a aussi, pour ceux qui aiment les personnages, là, de Disney, toujours, hein. Peinture au diamant, toujours des diamond painting. Regardez comme c'est beau. Mickey, ici on a Mickey. Qu'est-ce qu'on a encore? Réponse, Mickey. Je suis désolée, il y a l'anneau qui se reflète dedans. Attendez, je vais peut-être l'éteindre pour qu'on soit un petit peu plus tranquille. Voyez. Réponse. On a Stitch, on a Toy Story. Enfin, vous avez beaucoup de modèles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ai montré quelques modèles de diamond painting. Vous avez aussi des points de croix. Vous avez beaucoup de choses. Il faut vraiment aller sur ce site. Il est vraiment chouette, franchement. Franchement, je ne le connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas du tout. Mais franchement, j'étais vraiment contente de pouvoir tester ces articles-là. Donc franchement, je remercie beaucoup le site de m'avoir contacté. Donc moi, ils m'ont contacté, l'envoi était assez rapide, hein. Ils m'ont contacté. Alors à partir du moment où ça a été envoyé, donc ils me l'ont envoyé le 17 octobre, là j'ai eu un numéro de suivi. À partir de ce moment-là, moi je l'ai reçu le 27 octobre. Donc voilà, ça n'a pas été très long. Hein, c'est à peu près en général le temps de livraison pour les sites qui sont un petit peu loin comme ça. Donc voilà, j'ai reçu un message par la poste quand ça allait presque arriver. 2 jours avant, j'ai eu un message par la poste pour me dire, ben voilà, on vous livrera le jeudi 27, le 27 octobre. Donc je n'ai pas eu de frais de douane, je n'ai pas eu de soucis. Mon colis est bien arrivé, fermé, tout correctement.
Les articles que j'ai choisis, j'avais le droit de choisir pour 15$ à peu près. Donc voilà, j'ai pris trois articles. Donc voilà, je vous ai un petit peu résumé un petit peu le site, qu'est-ce qu'il y a dans le site. Donc vous retrouvez, vous voyez, vous retrouvez quand même de belles choses, de beaux diamond painting. Voilà, on retrouve quand même des choses pas mal. Alors je connaissais pas du tout, hein, comme je vous disais, et je suis allée voir qu'est-ce que c'était sur le site avant, hein. Et puis ben, j'étais quand même assez surprise de retrouver quand même de très très beaux articles. Donc franchement, voilà, je pense que je reprendrai sûrement encore d'autres choses parce que il y a vraiment des choses qui sont très très chouettes. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo où j'ouvre les diamond painting. Et je vous récupère juste après. Alors moi, ça, c'est la première fois que je fais un format comme ça, hein, donc voilà, soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je fais ça. Tout ne sera pas parfait, hein. Donc voilà, je vous laisse avec l'unboxing, donc l'ouverture des Diamond Painting, et on se retrouve juste après. Donc j'ai reçu ma commande, donc je vous montre pas l'autre côté parce que l'autre côté, il y a mon adresse et tout ça. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Alors on le reçoit dans un sachet comme ceci. Voilà. Dans un sachet comme ça. Alors on le reçoit dans un sachet comme ça. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Donc voilà, soyez indulgents. Hein. Donc on va l'ouvrir. C'est bien fermé, hein, c'est fermé comme ça. Alors là, nous avons trois diamond painting, donc je vais vous les montrer. Alors on en a deux qui sont comme ça et un qui est emballé dans une pochette. Donc voilà, alors on va commencer d'abord par celui-là qui est emballé dans la pochette. Alors je m'excuse, je viens de voir que la vidéo était du mauvais sens. Alors je vous disais qu'on reçoit ça dans une enveloppe comme ceci. Donc on reçoit ça dans une pochette comme ceci. Donc on a un genre de sachet comme ça. Voilà. Donc j'avais ouvert ici, hein, c'était bien fermé et tout, il n'y avait aucun souci. Et à l'intérieur, on avait trois diamond painting. Hein. C'est ce que je vous disais. On avait trois diamond painting que j'avais commencé à ouvrir. Voilà. On avait un qui était emballé dans un sachet comme ça. Et deux autres qui sont ici. Donc on va commencer avec celui-là qui est déjà déballé. Donc c'est le Belle au bois dormant. Donc j'ai pris Aurore. Alors, il était emballé dans un sachet comme ça. Comme ça, vous voyez. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc il se présente comme ceci. Alors il fait les dimensions, c'est 30 x 40. Voilà, il se présente comme ceci. Ici, vous avez le petit sommaire, la petite table avec tous les chiffres qu'il y a. Et vous avez les numéros. Voilà. Par exemple, vous avez du V, vous avez du... Alors, on voit bien les numéros ici. Donc, j'ai contrôlé aussi, ça colle bien. Donc, on a bien la colle qui est là. Donc, on a tous les petits numéros ici. Donc, les numéros se voient bien. Et on a à l'intérieur un sachet comme ceci avec des diamants. Donc vous avez toutes vos petites perles. Donc là, elles sont en carré. Là, elles sont en carré. Je vais vous montrer. Je vais les déballer. On va prendre une couleur, je vais vous montrer. Donc par exemple noir, donc là vous voyez, vous avez vos petits diamants, en fait ils sont tous en carré, c'est trop rigolo. Là on a violet, ce sont des belles couleurs, hein. Le violet est vraiment beau quoi, c'est ça qui est bien. Vous avez vraiment des belles couleurs quoi. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc voilà, des petits perles en carré.
Et à l'intérieur, on avait aussi la petite soucoupe, la petite coupelle pour mettre les diamants dedans. On a le petit collant ici et on a le stylet qui est un stylet basique. Hein. On va passer au suivant. Alors, le suivant, il est emballé dans une petite pochette comme ceci. Donc, c'est une pochette bulle. Donc, on va ouvrir. C'est autre chose que l'autre qu'on avait tout à l'heure. L'autre qu'on avait tout à l'heure, c'était un plastique. Là, on a une enveloppe bulle. Donc, on va l'ouvrir. Alors, là, on n'a pas de protection, on n'a rien, mais on avait notre enveloppe avec que du bulle dedans, vous voyez? Donc, ça, c'est bien parce que ça protège bien. Alors, celui-ci, c'est un petit Bambi. Je vais vous montrer. Donc, on a ce motif-là. Alors, celui-ci, il fait 30 sur 30. Donc, il est comme ceci. Il est très joli aussi. Pareil, on voit bien les lettres. Hein. Donc, on a du O, du N, tout ça, on voit très bien. Pareil, il colle bien. Donc là, je regarde, on voit bien toutes les lettres. Ici, pareil, on a la table avec tous les numéros ici et les numéros et les lettres qui correspondent au Diamond Painting. Hein. Donc on a un beau motif de Bambi là. Moi je trouve que celui-là il est vraiment très très joli. Pareil dedans on a la petite soucoupe avec le papier collant et le stylet, pareil que l'autre de tout à l'heure. Et là on va retrouver des diamants, c'est en forme de rond. Donc ça c'est les basiques, hein, les formes de rond. Donc pareil on a des belles couleurs, hein, on voit vraiment bien le brun, on voit vraiment bien le beige, tout est vraiment, c'est vraiment des très jolies couleurs aussi. Donc comme ceci. On va passer au dernier. Alors le dernier, il est emballé dans une pochette comme ceci. C'est une pochette plastique. Alors le dernier, on a Mickey. Avec tous ses amis, on a Mickey, puis vous allez retrouver tout autour que des personnages Disney. Tout autour, on a que des personnages Disney. Et pareil, ici, on va retrouver la table avec tous les numéros, les lettres et tout. Voilà, qu'on a besoin. Donc là, pareil, on voit bien, même sur le noir, on voit bien les lettres, hein, on voit bien tout. Là aussi, on voit bien. Voilà, ici on voit vraiment bien aussi au niveau du diamond painting. Donc on verra ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc là on a pareil nos on a pareil on a nos diamants qui sont en rond, donc ils sont comme ça. Hein. Pareil, on a de jolies couleurs. Et à l'intérieur, pareil, on va retrouver la petite soucoupe avec le petit collant et le petit stylet, qui est un stylet aussi basique comme les autres. Voilà. Donc, écoutez, moi j'ai hâte de les commencer. Et puis, comme dit, on les fera ensemble. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc voilà, vous avez vu l'ouverture avec les diamond painting que j'ai pris. Donc on va parler des prix des diamond painting. Je vous les afficherai ici, ce sera en dollars. Hein. Donc je vous les afficherai là ou juste en dessous. Et donc je vous mettrai aussi l'image, la petite image qui correspond au diamond painting. Et je vais peut-être vous la montrer sur le téléphone. Alors tout d'abord le Mickey, il est au prix de 5,95$ et il fait 30 x 40 cm. Voilà, c'est un diamond painting qui doit ressembler à ceci une fois qu'il sera terminé. Donc voilà, à peu près comme ça. Donc je le trouve très joli, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que vraiment je le trouvais très très chouette. On a des personnages Disney comme je vous disais, là on voit un petit peu mieux, hein. Donc on a Ariel, on a tous les petits personnages là en dessous, on a tous les petits personnages tout autour et on a Mickey un peu qui nous fait une magie, il nous fait un peu comme de la magie comme ça et on dirait qu'il fait sortir tous les personnages. C'est pour ça que je l'ai pris, il est vraiment très 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 joli. Donc il est au prix de 5,95$ et vous avez tous les diamants avec, les petites perles, vous avez, je vais vous montrer. Alors je l'ai reçu dans une pochette comme ça, hein. Je vais pas vous refaire le unboxing que j'ai déjà fait, hein, mais je vais vous montrer
un petit peu mieux. Donc voilà, vous voyez, on voit quand même assez bien. En plus, je crois que sur la vidéo, j'avais oublié d'allumer la ring light. Donc vous voyez, on voit quand même bien. Donc je pense que une fois terminé, il peut être quand même pas mal. Hein. Donc voilà, un petit diamond painting comme ça. Moi, je le trouve assez chouette. C'est petit comme ça, je trouve que c'est bien aussi. Hein. On n'a pas besoin toujours d'avoir des grands modèles. Hein. Celui-là aussi, il est très joli. Donc là, vous avez toutes les petites perles avec. Hein. Vous voyez, et elles sont vraiment de... Voilà, la couleur est vraiment très très jolie, quoi. C'est pas des trucs où c'est fadasse et tout. Franchement, ils sont vraiment très très jolis. Hein. Donc, on a tout le matériel avec. Vous avez les diamants et vous allez retrouver les petits... le petit collant, le stylet et la petite coupelle ici. Voilà. Après, il y en a qui ont des stylets avec vous avez 3-4 choses ici pour prendre les diamants, moi j'en ai que un. Écoutez, moi ça me va aussi très bien comme ça. J'ai déjà fait des grands juste avec un stylet. Hein. Alors j'en ai pris un deuxième qui est Aurore, donc la Belle au bois dormant. Il fait 30 x 40 cm et il est au prix de 7,54 $. Donc je vous montre, une fois terminé, il doit être comme ceci. Voilà, il est très joli, il est très beau et j'adore Aurore. Si j'avais eu Merlin l'Enchanteur, je pense que j'aurais aussi pris Merlin l'Enchanteur. Mais celui-ci est très beau. Ou Alice au Pays des Merveilles aussi, qui est pas mal. Je vous montre le deuxième. Alors, on reçoit aussi dans des pochettes comme ça. Donc ça, c'est bien parce que franchement, c'est vraiment propre. Quoi. C'est vraiment des envois qui sont propres. Hein. Ça fait plaisir. Alors, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Je vais vous montrer. Alors, il est comme ceci. Donc, il fait 30 x 40 cm aussi. Moi, je vais bien les déplier. Là, je vais les mettre sur une planche. Et je vais bien les déplier. Voilà. Là, on a Aurore. Donc voilà, une fois terminé, il faut voir une fois terminé ce que ça donne. Donc on en reparlera une fois qu'ils seront finis. De toute façon, je vais les faire avec vous. Hein. Donc voilà, pour celui-là, pareil, on a les petits diamants. J'ai évité de plier pour éviter que ça fasse des traits. Là, on a des petits diamants comme ça en carré, comme je vous le disais. Hein. En carré comme ça. Et vraiment, les couleurs sont vraiment pas mal. Hein. Et là, on a vraiment tout plein de petits carrés comme ça, de petits diamants. Et celui-là aussi, vous avez le matériel pour. Hein. Vous avez ce qu'il faut pour faire votre diamond painting. Donc là. Et le petit dernier, je vais vous le montrer. Alors, et le petit dernier, c'est Bambi, comme ceci. Il est vraiment très très joli aussi, celui-là. Vous avez plusieurs types, vous avez plusieurs modèles. Hein. Vous pouvez regarder sur le site. Il fait 30 x 30, celui-là, vous voyez. Vous avez plusieurs personnages. Je vais vous montrer, par exemple, le Pinocchio, qui est très très joli aussi. Vous voyez. Ils sont vraiment très très beaux, hein. Franchement, nickel. Alors, je vais revenir sur le Bambi, hein, parce que c'est le Bambi qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors, il était au prix de 3,67 $. Il y avait une promo de 20% dessus. Donc voilà. Normalement, le prix de base, c'est 4,59 €. Mais vous avez une promo de 3,67 $, pardon. Donc écoutez, je vais vous le montrer. Donc, il doit donner ça normalement, hein, une fois qu'il sera terminé. Il est très joli. Et voilà le petit Bambi. Il est très joli. Hein. Il est vraiment chouette. C'est pareil, vous allez retrouver les petites perles ici. Les petites perles comme ça. Et pareil, on a la petite pochette avec le stylet dedans. Donc franchement, si vous avez envie d'aller sur le site, allez faire un tour. Même si c'est juste pour regarder, allez voir sur le site. Franchement, ils ont vraiment de très très belles choses. Ils ont vraiment de très très belles choses. Vous avez pour 4 $, vous avez des diamond painting. Regardez, pour 4 $, vous avez des diamond painting. Donc on a la licorne que je vous ai montrée. On a vraiment de très très belles choses. Là, on a un petit hibou ici.
À 3,68$, vous avez pour 3,68$, vous avez des petits diamants painting comme ça. Ils sont vraiment très très chouettes. Vous avez plein de modèles, hein. Allez faire un tour, allez voir. Franchement, c'est vraiment de très belles choses. Regardez ce chat là, comme il est rigolo. Il est beau celui-là. 4,01$, un bonhomme de neige ici pour Noël, pour offrir ou pour vous le faire vous-même. Franchement, il est super chouette. Regardez les chats ici. Le hérisson dans la tasse. Le hibou là. La petite femme avec les ailes. On a plein, plein, plein de choses. Regardez les beaux Disney là encore. Ici, vous avez des beaux Disney. Je vais vous montrer. Regardez. Cendrillon. On a Cendrillon. On a Aurore. Regardez Aurore. Et alors, vous pouvez aller voir sur le site. Vous voyez, alors il vous montre comme ça. Comment est-ce que ça arrive, hein. Donc, ça sera comme ça. Et après, c'est à vous de le faire, hein. Vous voyez, on a vraiment de très, 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 très jolis diamond painting. Et vous avez plein de choses sur ce site-là. Il faut aller voir parce que vraiment, moi, je ne le connaissais pas du tout. Et franchement, ça peut être pas mal. Noël qui arrive, les petits prix là qu'ils nous proposent, franchement, c'est vraiment pas mal. Et vous avez plusieurs mesures, hein. Vous pouvez choisir les mesures en dessous. Donc, voilà. Là, vous avez des albums pour ranger vos diamond painting dedans aussi. Vous avez plein de choses, hein. Franchement, vous avez plein de choses sur ce site. Vous voyez, là vous avez le, je pense que ça doit être un tableau où vous mettez votre diamond painting dedans, un cadre magnétique de peinture. Vous voyez, vous avez des bords, vous avez plein de choses, hein. Des ensembles de stylos à pointe. Regardez les stylos, les petits stylets ici. Franchement, allez voir, allez faire un tour. Vous avez aussi des collants comme ça de diamants ici. Vous avez plein de choses sur ce site. Vous avez la mallette ici pour ranger tous vos petits diamond painting aussi, franchement, qui est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Vous avez pour les fêtes, vous avez pour Halloween, vous avez tout plein de choses. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller dérouler la barre d'infos et vous aurez tous les liens directement. Je vous redirige vers les liens de mes diamond painting et du site. Voilà, comme ça vous pouvez aller faire un tour et voir ce que vous avez envie. Alors, j'ai un code promo pour vous de 5%. Donc, j'ai un code promo de 5%. Alors, le code promo, c'est, vous allez rigoler, c'est Belouche05OFF. Donc, je vous l'afficherai là et je vous le mettrai en barre d'infos. Et oui, c'est quelle idée d'avoir pris le petit monde de Belouchette comme nom de chaîne. Mais écoutez, voilà, c'est mon nom, moi je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va faire la deuxième partie de cette vidéo dans un espèce de vlog où on va monter ensemble les diamond painting. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé, ils ne savaient pas comment faire un diamond painting, donc ce sera l'occasion de faire ça ensemble et... je vous ferai peut-être découvrir des choses. Donc moi, j'étais contente de faire cette vidéo. Je remercie le site de m'avoir contacté. Et écoutez, j'espère que cette vidéo leur plaira. J'espère qu'elle vous a plu à vous aussi, que j'ai pu vous faire découvrir encore des choses. Vous pouvez utiliser mon code promo qui est de 5%. Et j'espère que ça vous fera plaisir et que vous n'hésiterez pas à aller faire un tour sur le site, au moins pour voir, même si vous n'avez pas envie d'acheter, au moins pour aller voir ce que c'est, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Voilà, donc j'ai été ravie de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve donc pour la partie numéro 2, ce sera sûrement dimanche. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bye bye.